Bonjour à tous les amis, on se retrouve pour le quintet de mardi, direction l'hippodrome de Chantilly, on va retrouver les galopeurs. Pour l'étude du quintet du jour, on revient sur ce qui s'est passé vendredi. Alors j'ai tenté quelques trucs à Toulouse qui ne sont pas passés. On n'est que deuxième et cinquième dans la sélection. Ça a été une arrivée essentiellement de favoris, donc pas trop de regrets. Euh, dans l'absolu, un désordre à 140 euros. Donc euh, j'essaie toujours de viser des quintets qui font 500, 1000, 2000 parce que donner des quintets à 50 euros en 8 chevaux, pour moi, ça ne sert à rien. Le course par course a été euh, bon du côté des jeux simples. Donc le repéré numéro 1 s'impose, le repéré numéro 2 s'impose, le cheval du jour s'impose et le jeu bonus s'impose. Donc nos quatre objectifs de la réunion de Lyon-la-Soie, les quatre ont gagné, ce qui nous a fait un report à 89 euros pour 1 euro. C'est tout simplement magnifique. J'espère en refaire d'autres pendant euh, l'hiver. Alors les conditions du prix de la chambre de Monsieur le Prince, 1800 mètres. PSF en réunion 1 course 4, euh, 16 partants, D3 ans. Euh, il va falloir être bon pour donner l'arrivée du quintet. Alors, base gagnante, j'ai pris le top white, le plus gros poids, le numéro 1, bonheur bleu. Sur la PSF, c'est deuxième, premier, premier, sixième, quatrième. Donc, on est presque à 100% de réussite. Quatrième le quintet plus, euh, une ligne où il y avait devant lui l'Hollywood et Scottish Anthem. Scottish qui a gagné son quintet et l'Hollywood qu'on a touché ensuite, gagnante euh, dans un quintet. Euh, c'est un cheval qu'on vient de mener course et Colle gentiment, il a bien fini. Je pense qu'il vaut peut-être un peu mieux que les handicaps. Alors je me dis qu'en 395 de valeur, c'est un cheval qui peut s'imposer. L'opposition viendra du numéro 14 Twilight, 3 sur 3 sur le sable, 2 sur 3 dans les quintés plus, 11e euh, lors de sa troisième sortie dans un quinté mais sur un terrain trop lourd. Pour ses aptitudes, euh, sur la distance, c'est 3ème, 2ème, 1er, donc 100% de réussite dans les 3 pour un retour euh, sur le sable, je le vois, euh, dans le tier C. Premier outsider, le numéro 10, Warm Breeze. Alors, c'est un cheval qui a été bon dans un quintet au Val d'Or, 3e. Ensuite, on l'a couru un peu trop loin euh, sur un hippodrome à Clairefontaine où les chevaux près de la tête, en général, se taillent la part du lion. Il avait débuté deuxième euh, sur la PSF. Je le rachète sans problème. Deuxième outsider, euh, le numéro 16, Gemio. À 4 sur 5 sur la PSF. Alors, son échec, c'était une rentrée et donc euh, si on enlève cette course là, ça fait 4 sur 4, donc 100% de réussite. C'est un cheval qui a fait jeu égal avec euh, Twilight, avec son petit poids. Il doit pouvoir finir euh, dans le quintet. En cinquième position, j'ai mis le numéro 4 Soliman, qui va être ma découverte. C'est un beau bébé, fils de Wings of Eagle. Alors, quand on voit sa corpulence, c'est un cheval qui est déjà bien taillé pour un 3 ans. Il vient de survoler son premier handicap à Marseille-Borelli pour un premier quintet plus en 39 de valeur. Je le garde avec moi. En sixième position, le numéro 15, Baileys Mémoire. Ça a été la note le 14 septembre. Course École. a fini sixième en avançant dans un quintet plus. A débuté sa carrière sur la PSF de Chantilly, troisième et cinquième. Avec un bon parcours pareil, pourquoi pas finir euh, dans les cinq premiers en septième position, le numéro 3, Célestine. 2 sur 2 sur le sable, a battu Gaydar qui a ensuite battu in Dream. Donc c'est des lignes qui tiennent la route à ce niveau-là. C'est une bonne pouliche et redescend de catégorie par rapport à sa dernière course où elle courait classe 1. Et je termine avec le numéro 6, Sonneret. Jument qui a gagné Quintet au mois de juillet et qui a répété avec 4 kg de pénalité en général c'est signes de bonne jument. C'est essayé listed de deux fois sixième donc elle n'a pas été trop ridicule dans l'ensemble. Première fois sur le sable, revient dans les quintés et sur ce qu'elle a fait de meilleur, voilà, ça se garde en bout de sélection sans problème. Voilà, nous on se dit à demain pour un tout nouveau Quintet. Passez encore une excellente semaine et bon jeu à tous